Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Récemment, j'ai fait l'acquisition de lunettes Fat Shark. Ce sont des lunettes munies d'écran qui permettent d'être en totale immersion avec un drone. On appelle ça le FPV. Cependant, si comme moi vous avez des problèmes de myopie, alors comme le système met un écran à l'infini, vous risquez de le voir complètement flou. Mais alors, comment remédier à ce problème ? Tout d'abord, on voit qu'il n'est pas possible de garder ses lunettes. Les lunettes FPV ne sont pas prévues pour ça. Heureusement, il existe des kits de lentilles correctrices, mais il faut se contenter des corrections proposées, de plus, ces lentilles n'ont pas l'air de grande qualité. Enfin, j'ai trouvé un site qui propose des lentilles de bonne qualité avec la correction exacte, mais elles sont plutôt chères, surtout si je choisis ma correction. Évidemment, on peut aussi utiliser des lentilles de contact, mais il m'arrive souvent de les oublier. J'ai donc eu une idée, pourquoi ne pas faire mes propres lentilles avec des anciens verres de lunettes. Pour commencer, il faut démonter les verres. Sur ce genre de lunettes, il tient grâce à une sorte de fil en nylon. A l'aide d'un outil, j'enlève le fil afin de déchausser les lentilles, en faisant bien attention à ne pas casser les montures car je pourrais encore en avoir besoin. Et voilà le verre parfaitement à ma correction sur lequel on va pouvoir travailler. Sur les Fat Shark, il y a un emplacement prévu pour mettre des lentilles, on va prendre ces dimensions. Pour cela, j'utilise un pied à coulisse, je mesure qu'il faut des lentilles de 21 mm de haut pour 27 de large. Je reporte ces mesures sur la lentille à l'aide du pied à coulisse et d'un feutre indélébile. Les verres de ces lunettes sont en plastique, j'utilise donc une Dremel pour pouvoir les découper avec un disque à tronçonner. Si vos lunettes sont en verre, je pense que ça risque d'être beaucoup plus compliqué. Je découpe donc la forme que j'ai dessinée sur les verres avec un disque, tout en faisant attention à laisser une marge pour pouvoir finir avec plus de précision. Enfin, je finis d'usiner la lentille avec un disque abrasif. Voilà le résultat, je suis assez content de moi, le matériau est assez simple à usiner, on a donc une lentille aux bonnes dimensions. De plus, par coup de chance, je n'ai même pas besoin d'affiner les bords, la lentille rentre parfaitement. Voilà le résultat d'usinage pour la première lentille, il ne reste plus qu'à le faire pour la deuxième. Voilà les deux lentilles prêtes, il ne reste plus qu'à essayer. Les lentilles rentrent parfaitement et ne gênent pas au fonctionnement des lunettes. Voilà la modification des lunettes terminée. J'ai même remarqué que l'ajout de ces verres limite l'apparition de buée. Il est temps de tester, je vais donc à l'extérieur avec mon drone racing. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu. À la prochaine !